Les années passent et pourtant il y a des choses qui ne changent pas. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. C'était le cas en 2018, ça le sera bien évidemment en 2019. Bonne année à vous, messieurs. Christophe Lucet de Sud-Ouest et Jefferson des sports de Sud-Ouest également. Beaucoup de choses encore au programme de la première émission de l'année 2019, à commencer bien évidemment par la traditionnelle cérémonie des vœux. Tous les hommes politiques, si ad donne bien évidemment et c'était euh, c'est alain juppé qui a ouvert le bal si on peut dire ça comme ça du côté de la de la mairie de Bordeaux euh, Jefferson desport vous avez assisté au vœu d'Alain juppé on a senti un alain juppé euh, très inquiet alors non pas pour pour Bordeaux mais pour la France et le monde tel qu'il va euh, est-ce que c'est ça qui selon vous il faut retenir de cette cérémonie des vœux oui, je pense que clairement, euh, évidemment, euh, cette cérémonie des vœux s'inscrit dans un contexte que l'on connaît, celui du mouvement des Gilets jaunes et de ces euh, samedis à répétition qui se suivent, s'enchaînent et se ressemblent avec des dégradations, des violences et ce mouvement qui ne faiblit pas. Alain Juppé ne pouvait pas ne pas l'évoquer, bien entendu. Bordeaux est devenu presque l'épicentre de cette contestation aujourd'hui. Alors on a senti un Alain Juppé effectivement très inquiet, ce sont ces mots, voilà, je suis très inquiet euh, par cette situation, mais surtout parce qu'elle sous-entend, c'est-à-dire, il l'a dit, des, euh, une remise en cause des fondements de la démocratie et il l'a rappelé quand on entend dire que les contre-pouvoirs ne servent plus à rien qu'on n'a pas besoin de l'équilibre des pouvoirs que euh, tout ce qui fonde finalement euh, la démocratie et la vie politique la vie citoyenne finalement euh, est malmenée attaquée on a des permanences de députés qui ont été euh, vandalisés tagués certains ont reçu des menaces de mort je pense à Aurore Berger je pense aussi aux députés de Gironde Florent Boudier voilà on est dans un contexte qui est extrêmement délicat et le, le propos de l'UMP c'est vraiment celui-ci c'est de dire attention on touche à quelque chose qui dépasse les questions de pouvoir d'achat, qui dépasse la taxe sur les carburants, qui dépasse tout ça et qui touche au cœur même de la démocratie. Donc voilà, c'est le message qu'il a tenu à faire passer avec une certaine hauteur de vue, on va dire. Oui, la liberté est en danger. Hein. Ouais. Est, ce sont les, les, les mots d'Alain Juppé, Christophe. Tu sais. Oui, c'est d'autant plus, plus marquant qu'Alain Juppé est un, est un, un, un vieux politique. Il a 40, 40 ans de vie politique derrière lui. Il a connu, il a connu évidemment des périodes, des périodes dures, euh, évidemment du temps où il était Premier ministre et où, il a, où la France était dans la rue en 1995. Mais j'ai l'impression qu'à qu ses yeux, les choses vont au-delà de ça. C'est-à-dire que euh, la contestation d'aujourd'hui, qui est plus diffuse, plus difficile, plus difficile à percevoir, euh, on sent qu'elle elle est, elle est aussi beaucoup plus radicale qu'elle ne, ne pouvait l'être lorsqu'il s'agissait de combattre un, un projet de loi, euh, au fond une contestation assez classique, euh, des intérêts. Qui était en jeu, donc une population qui, une certaine catégorie de population qui descendait dans la rue, qui était braquée. Là, là il ne s'agit pas de ça, il s'agit davantage d'une contestation du régime lui-même. En tout cas, c'est ce que certains, évidemment, certains, euh, certains peuvent observer, euh, peut-être spéculent-ils. En, en tout cas, la France a l'air à l'air à cran. Euh, et pour un homme politique de l'envergure de Juppé, qui, qui évidemment a des, a des repères, dans sa carrière à lui, mais aussi des repères historiques. Donc, qui est passé aux affaires, oui. c'est il y a vraiment chez lui fit, une il... inquiétude qui peut qui peut nous interroger. Il fait une vraie nuance avec 95 parce qu'on lui a posé la question. Vous avez connu les grandes manifs de 95. Il dit mais c'était complètement différent. En face de moi, j'avais les syndicats. Et c'est là où les choses ont basculé. C'est qu'aujourd'hui, ce mouvement des Gilets jaunes qui n'a pas vraiment de représentants officiels, il y en a plusieurs. C'est pas structuré, ce n'est pas organisé comme peuvent l'être les, les partenaires sociaux ou les corps intermédiaires. Donc voilà, lui, il a connu Effectivement, l'épreuve de la rue, l'épreuve de force, mais avec des représentants, c'est-à-dire qu'on se réunissait, on parlait, on était d'accord, on n'était pas d'accord, ça continuait ou pas, mais on était dans un cadre. Là, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne voit pas d'issue parce que on a tout ça est très diffus, il y a pas, c'est assez impalpable, et alors qu'on a des samedis qui s'enchaînent. On, on, on va reparler de, 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 des gilets jaunes en, en 2019 dans, dans un instant. Pour revenir sur Alain Juppé et la déclaration qu'il a, qu a faite en, en, en toute fin, effectivement, de, de, de son intervention concernant la nation euh, telle tel, tel, tel qu qu'elle va, Et il y a quand même eu des moments où il a, il a parlé de Mussolini, il a parlé d'Hitler, euh, il a parlé de moments comme ça. Donc, euh, chez un homme politique qui, qui, qui a l'envergure d'Alain Juppé, utiliser des mots comme cela... C'est pas anodin. En fait, C'est sait... le retour aux années 30 dont on a beaucoup parlé pendant la dernière partie de l'année dernière. Euh, bon, S'agissant de la France, on n'a évidemment ni, ni, ni Mussolini ni Hitler. On a, on, en revanche, on a eu les, les ligues dans les années 30. Bon, Alain Juppé n'était pas né lorsque les ligues dans les années 30 quadrillaient Paris. Et donc, on, on, on fait mine d'ailleurs de prendre l'Assemblée nationale en 1934. Euh, à l'époque, on avait affaire à une contestation très, très, très lisible qui était, qui était une extrême droite ou en tout cas ou des ligues euh, d'idéologies li diverses mais qui avait vraiment pour objectif la prise du pouvoir. Là, là les choses sont, je dirais, sont, sont à la fois moins graves et peut-être plus, plus profondes aussi, puisque là, il s'agit vraiment d'une société entière qui s'interroge qui sur, sur la démocratie elle-même. Ça, c'est nouveau hein, depuis 1945. Et, et là, on est vraiment dans une situation politique euh, qui, qui a l'air d'échapper un petit peu à tout le monde. Quand on lui a posé la question de de savoir, à votre avis, Alain Juppé, pourquoi Bordeaux est en train, entre guillemets, de devenir la, la capitale de la contestation, on, on, on a eu Alain Juppé qui a eu du, du mal à répondre. Hein quand même j'ai fait son d'espoir, bah, je, je en tout cas que... qui, qui balait un petit peu du revers toutes les, les explications diverses et variées qu'on a, qu a, qu a pu entendre ici. Est-ce qu'il y a une réponse toute faite à une question comme celle-ci Pourquoi Bordeaux a pris autant d'ampleur dans cette contestation La réponse de Juppé, c'est de dire qu'il y a très peu de Bordelais qui viennent manifester dans le centre, de ce serait l'extérieur. Alors ça renvoie à quoi Ça renvoie à ce sentiment d'abandon de la ruralité. Et c'est d'ailleurs pas à négliger parce que quand vous prenez les cahiers de doléances qui ont été ouvertes. La mairie de Bordeaux va en ouvrir prochainement, mais ce sont les maires ruraux de France qui ont lancé cette initiative. Faut pas l'oublier. Les maires ruraux, donc les petites communes en dehors des, des agglomérations, qui sont à la périphérie. Et là, il y a des, des cahiers de doléances qui ont été ouvertes. Est-ce qu'on peut lire On l'a écrit dans Sud-Ouest. Euh, on peut lire ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'abandon par rapport à la grande ville, par rapport à l'État, par rapport à un peu tout. Cette espèce de sentiment de solitude, et qui se traduit aussi par un mal-être par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à des services publics qui ferment. Voilà. C'est un constat qui est quand même assez global. Euh, Est-ce que, voilà, est que les campagnes viennent à Bordeaux manifester leur colère C'est une hypothèse. Est-ce que maintenant le nom de Juppé fait aussi quelque chose à J Ça, je ne suis pas sûr parce qu'il a quand même été réélu à Bordeaux sans difficulté. Maintenant, il n'y a peut-être pas de réponse toute faite. Voilà, Bordeaux, c'est aussi la capitale régionale. Quoi qu'il en soit, Alain Juppé a clairement encore une fois dit que les, 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 les casses devaient maintenant s'arrêter à Bordeaux, que ce plus possible. Donc, d'où le deuxième sujet de ce commentaire libre Les Gilets jaunes en 2019. Comment voyez-vous, messieurs, évoluer euh, le euh, le mouvement des gilets jaunes entre euh, le grand débat certains qui sont intéressés par euh, la création de partis politiques certains qui commencent à s'organiser d'autres qui commencent à faire de voilà comment voyez-vous évoluer ce, ce mouvement en 2019 bah, la, la, la première surprise euh, qui n'en est peut-être pas une pour le, pour les contestataires c'est que c'est que le mouvement est reparti après 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 le jour de l'an hein, euh, certains pouvaient peut-être espérer que les choses se calmeraient après le jour de l'an ça n'a pas été le cas même si peut-être les, les, les mobilisations n'ont pas retrouvé l'ampleur de celle de, du début décembre. Euh, en tout cas, en tout cas, la, la, les préoccupations sont toujours là. Les, 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 la, la, il faudrait, il faut espérer évidemment que le grand débat qui a été annoncé par Emmanuel Macron euh, s'organise malgré les difficultés de démarrage, le, la, la très grosse difficulté de démarrage. Il est -ce faudrait il est faut... pas un peu morné ce grand, ce grand débat. L'affaire Joanneau, certains gilets jaunes. Bah, moi, moi que... je ne veux pas y participer. C'est une usine à gaz. On sait comment ça va finir. Bah, C'est-à-dire qu'il faut, il est, il est, il est, en tout cas, il est, il est mal parti. Ça, c'est une, une certitude. Mais euh, il est de l'intérêt de tout le monde qu'il qu ait lieu, puisque puisqu'il il faut trouver une issue politique à cette, à cette... Tout le monde sait qu'il faut une issue politique. Euh, L'issue politique par où passera-t-elle Elle passe, elle passe par la mise à plat de la mise à d'un certain nombre de choses. De, de... Ce débat national doit y aider. Il sera sans doute pas suffisant, mais euh, la, 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 sa tenue est, inco... est, est, est incontestée, incontestable et doit. Et le, et là, le pouvoir doit absolument s'y attacher et, et déployer beaucoup d'énergie. À partir du moment où on demande plus de démocratie participative et qu'un débat national est organisé, où je rappelle, les maires vont être une des chevilles ouvrières de, de ce débat, donc au plus près des revendications, au plus près des gens. Euh, si après ça on dit bah non, on ne veut pas participer parce qu'on n'y croit pas, c'est insoluble. Il n'y aura pas de sortie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne la voit pas. Mais si vous refusez, vous demandez du débat, d'être pris, d'être entendu, et qu'on vous propose de débattre, et qu'on vous, vous dit non, mais mais là, il n'y a plus, il n'y a pas, ça devient très compliqué. Quand même que, donc il faut très, quand même le double, le, le double discours entre guillemets du gouvernement, qui disent d'un côté on va ouvrir un grand débat, mais l'autre côté, je vous préviens. Ça, ça, ça et ça, ça ne bougera pas, Mais ça ne changera pas, il n'est pas question qu'on y revienne. Donc c'est vrai que c'est un, euh... un peu compliqué de la part du gouvernement alors, comme discours. C'est quoi le, Ce qui pose problème, c'est l'ISF. Voilà. Les Gilets jaunes ont posé ça comme totem en disant il faut rétablir l'ISF. Pour l'instant, le, le gouvernement. J'ai aussi si, le référendum ouais. sur tous les et, sujets. Et s'y ouais. refuse. Bon, après, il faut, faut rester aussi euh, mesuré parce que euh, quelle est la réalité de cette manifestation On a 40 000, 50 000 personnes. On peut entendre aussi un autre discours en disant que ce n'est pas non plus la majorité. Donc il faut que euh, chacun trouve un peu le ressort de se mettre autour de la table. L'idée c'est quand même de faire une négociation. On doit avancer. On est dans un état de droit. Il ne Faut pas l'oublier. C'est pas je veux dire, le Emmanuel Macron qu'on soit d'accord ou pas a été élu au suffrage universel direct. Il a été de même très bien élu. Donc on ne peut pas tout remettre en cause comme ça. Je pense qu'à un moment il faut aussi se poser et reprendre un peu pied avec la réalité et, et avancer dans une discussion parce qu'il pourra peut-être en sortir quelque chose. Si on condamne tout tout de suite, on ferme toutes les portes. Quelle autre issue reste-t-il que la rue? Et alors, après, là, on rentre dans une zone alors, alors, là, là, aussi, totalement. Avant de parler de l'Europe, hein, parce qu'on peut aussi euh, aborder les grands, les grands moments euh, attendus politiques, en tout cas en 2019, et bien évidemment les élections européennes euh, en, en, en font partie, il euh, y a quand même une question qu'on peut se poser. Comment expliquer justement qu'un mouvement qui, au niveau du nombre de manifestants, ne semble pas un mouvement massif, en tout cas, ça mobilise moins que les histoires autour du CPE, que, etc., comment se fait-il que, que, que ce mouvement soit aussi représentatif et et, et, et prennent autant... Là-dessus, là je crois que les, les, les sondages qui montrent, qui montrent le, degré le, de soutien, de soutien le degré de soutien de la population sont assez instructifs, c'est-à-dire que malgré trois malgré ou quatre samedis de violence euh, et donc de dérapage, euh, le mouvement continue de bénéficier d'une majorité de Français euh, qui... qui plus ou moins, mais enfin qui en tout cas qui approuve les objectifs des gilets jaunes. On, on, doit, on doit être autour de 50-55 Ce qui reste beaucoup pour pour alors que ce, ce mouvement aurait pu être discrédité très vite par par, par, par le spectacle en fait de, de, de débordements qui pour le coup sont inacceptables. Mais euh, en tout cas les, donc les Français continuent de considérer que malgré ces débordements, il y a tout de même dans cette dans cette dans cette révolte une véritable véritable incitation pour un changement un changement un changement. Alors quel contenu Toute la question est là. Ouais, mais est un changement. Voilà un changement. Les bien gens bien. ont envie de changement, un changement. Alors ça, ça, ça passe par le pouvoir d'achat, ça passe par par la, par là. La, la, C'est la, entendre la vox populi, faire faire les choses différemment, être plus à l'écoute peut-être. Enfin, voilà, peut-être demander tout, aussi tout aux politiques ça. de refaire de la politique et pas uniquement Après, de la gestion. Euh, hein, aussi, sur, les, sur les sondages, il faut aussi peut-être rester un peu prudent parce que vous avez aussi un sondage qui est sorti qui montre que la cote de popularité euh, du président de la République et du premier ministre se redresse légèrement. Alors qu'on pourrait attendre un effondrement euh, continu. Voilà, on voit d'autres choses apparaître. Ça va être les soldes samedi prochain. Ne l'oublions pas. Les commerçants sortent. D'une période extrêmement compliquée, on a à peu près 58 000 salariés qui ont été mis au chômage technique. Donc, je pense que chez les commerçants, l'exaspération, l'incompréhension, tout ça va commencer à compter, à s'ajouter. Jusque-là, ça tient, mais attention, il y a des incidences économiques. Quand vous fermez vos rideaux tous les samedis, vous pouvez être soutien, vous pouvez espérer aussi du changement, mais à un moment, vous pouvez vous dire est-ce que c'est moi qui dois être la cible Donc, messieurs, on prend le pari qu'a priori, la semaine prochaine, on reparle les gilets jaunes. C'est parti pour être au chance. Oui, allez, et l'Europe. Euh, dans tout ça, parce que c'est vrai que ça fait effectivement ben. partie des, euh, ben, je dirais euh, des moments importants. Ça faisait longtemps, je pense que même c'est une des premières fois où les élections européennes vont être aussi importantes à suivre bah, on, on, savait, cas... on savait qu'elles seraient importantes avant même mais le mouvement des ouais. Gilets jaunes, quand on avait la, 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 quand on avait la bagarre entre, entre Victor Orban et Salvini d'un côté, Macron de l'autre, vous vous rappelez, donc à l'automne. Euh, mais avec cette crise des Gilets jaunes, qui d'ailleurs a des répercussions dans d'autres pays européens, euh, on ah, s'aperçoit... Il y en a en Belgique, il y en a un petit peu partout. Oui, ouais. et puis en tout cas, c'est une, 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 une situation très, très commentée à l'étranger. Euh, on on s'aperçoit que finalement, ces élections européennes qui ont lieu, je, je le rappelle, le 26 et le 27 mai, euh, finalement, arrive de façon assez opportune. Il va y avoir une campagne, il va y avoir une campagne, et euh, finalement, la, la situation française, euh, avec tout ce qu'elle signifie, euh, va s'inviter dans le débat. Et euh, ces élections vont peut-être, peut-être d'une certaine façon, bénéficier en termes de participation de, cette, de, cette, de, ce, de ce contexte politique. Donc on pourrait se retrouver peut-être avec euh, effectivement des, des, une campagne autour de la, la question européenne. Peut-être plus, plus sociale et plus uniquement comptable, c'est-à-dire, voilà, quelle, quelle Europe on veut vraiment bah, Jusqu'avant jusqu le, enfin, le mouvement des Gilets jaunes, on, on pronostiquait tous une campagne sur la vague migratoire, sur la pression migratoire qui faisait écho à la situation, au bouleversement qu'il y a eu en Italie. mais on, on peut parler de la Pologne, on peut parler de l'Autriche, voire de la percée de l'extrême droite en Allemagne. Maintenant, euh, le parti qui a l'air de tirer les marrons du feu pour l'instant, c'est le Rassemblement National. Pour l'instant, dans les sondages, il semble être en tête, avec une tête de liste, Jordan Bardella, qui va avoir 23 ans. Avec des transfuges euh, des Républicains Thierry Mariani et le Girondin l'ex député UMP Girondin Jean-Paul Garot. Donc voilà maintenant euh, quelle va être l'alternative Est-ce qu'une liste LREM peut aussi euh, apparaître comme une alternative derrière tout ça Ça peut devenir effectivement extrêmement intéressant. Oui. En tout cas, ça peut inciter les gens à aller voter. Faudrait pas oublier d'ailleurs une liste une liste écologiste euh, puisque oui. puisqu'on voit qu'un peu partout en Europe le, les, enfin, on, on 5, en parle 6, peu mais les verts on, les verts on ont cinq mois quand même de voilà, les verts, on, les verts ont également même. les verts ont également le vent en poupe ça il faut le il faut le il faut le souligner le dire on a eu on en a des signes dans, dans plusieurs villes et dans plusieurs régions européennes et puis évidemment la question de savoir si le mouvement des gilets jaunes va trouver un exutoire politique ça pour le coup hein. en tout cas le mouvement des gilets jaunes qui visiblement intéresse beaucoup du côté du gouvernement italien hein, c'est que oui, oui bah, c'est dire que un, un gouvernement étranger qui dit publiquement euh, aux gilets jaunes allez-y continuez on est avec vous bah, c'est c'est du jamais vu hein, c'est du jamais vu que, que... Qu comment dirais-je que des, que les responsables les responsables en place d'un pays allié de la France et partenaire de la France dans l'Union européenne souffle, souffle sur les braises d'un mouvement social et finalement appelle à une forme de déstabilisation du gouvernement français ça pour le coup c'est quelque chose d'inouï inouï et d'ailleurs la France a réagi de façon de façon minimaliste euh, probablement à telle raison de, de ne pas de ne pas euh, de ne pas surinterpréter ces, 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 ces propos qui sont aussi des propos d'estrade à usage interne en Italie Mais enfin évidemment il y a quelque il y a quelque chose d'assez choquant j'avoue j'avoue avoir un gouvernement ami euh, sans prendre comme ça donc, voilà au sein, au sein de l'Union européenne à, à un allié les inquiétudes d'Alain Juppé, les Gilets jaunes en 2019 et l'Europe dans tout ça. Quels sont, qu sont les thèmes que, que nous avons abordés pour cette première édition de Commentaires libres en 2019 Allez, la semaine prochaine, on se remet ça. Bah écoutez, on est reparti, oui. Allez, à la à semaine prochaine. Prochaine. Merci Merci Bastien. prochaine. Merci, Bastien. Merci Bastien.